La personne qui met faux commentaire, j'ai dit, maman, regarde la taille. Je te fous ça dans le trou. Sans vaseline, maman. Sec qui se trouve, je te fous ça dedans. Tu as venu parler de ça à qui? Avant de commencer mon direct, les Ivoiriens, asseyez-vous. J'aurais appris, maman, avant de parler de mon sujet, j'ai parlé un peu de cette ratatouilleuse, de soi-disante journaliste qui s'asseye, maman, sur des chaînes télévisées, maman, pour venir dire du n'importe quoi, tranquillement, tranquille. J'ai venu parler un peu à maman. Je ne sais pas pourquoi les vilaines filles, comme moi, Lolo Beauté, et puis cette journaliste, on ne sait pas se cacher même. Je me pose la question, pourquoi nous, les vilaines femmes, là, on n'aime pas se cacher un peu. On aime bruit, franchement dit. Il y a des vilaines femmes, elles bruit tranquillement. On dit, maman, l'eau lave, l'argent rend propre. En tout cas, moi, là, l'argent en train de me rendre belle. Vraiment. Et mon propre argent en train de me rendre belle. Yes. Pas l'argent de la sueur de mon cuir, mais l'argent de la sueur de mon front, yes, en train de me rendre belle, maman. Donc, j'assume ce que je suis. Il paraît que oui, il y a une quoi là même qui s'est levée pour venir insulter Vital en plein plateau télévisé. La diva. Maman, tu sais qui est Vital? Vous savez, on dit le coupé décalé, maman. Le coupé décalé, on n'a pas dit chantre de gospel. Tranquillement, tranquille. Je pense que quand on a pitié de vous, on vous met dans les chaînes. Tu as un salaire de combien, maman? Dis-moi ton salaire, je multiplie par 10 et puis je te donne. Des pauvres lettres, maman, qu'on ramasse pour mettre à la chaîne télévisée. Qui ont raté les vies ici en Europe. Quand je vois les personnes mettre les queues, puis partager mon ce direct, maman, j'ai envie de guiser aujourd'hui. Mes règlements de compte sont aujourd'hui. Tranquille, vous pensez que j'ai changé. Mes démons sont à côté. Hein? Vous pensez que j'ai changé. Souvent, quand j'ai pas envie de parler, je laisse. Parce qu'il y a des choses qui n'en valent pas la peine. Parce que je suis trop devant. Mais toi, l'animatrice, regarde bien la concombre. On dit une concombre ou un concombre. Un concombre. Tu vois concombre qui est dans ma main là. Un concombre. Je vais te chicoter avec ça. J'ai dit, vos émissions là, vous triez les personnes pour mettre là-bas, non? Vous savez à qui parler. Puis, moi, j'arrive à votre émission. Ya, maman. Ben, moi, mon émission là-même, c'est ici, si truc. C'est parce que la Côte d'Ivoire est pitié de vous qu'on a créé cette chaîne. On a mis des ratatouilles pour venir animer. Maman, du jour au lendemain, on se réveille. On trouve des visages inconnus à la carrue inachevée pour venir animer des émissions à la bande de cons. Et on voit les... J'ai dit, oh, la seule personne que je respecte à cette émission, c'est le garçon qui a été noir, café au chocolat. Là, oui, avec ma jolie fille. Émission. Sinon, tranquillement, tranquille. Sinon, le reste là. Bon, Émise Junon aussi, bon, elle a dit qu'elle débutait, donc elle apprend. Elle apprend. Quand on me dit, maman, viens t'asseoir ici, on dit, elle s'appelle Marie, elle s'appelle comment, mais mettez son nom ici, maman. Tu es venu parler de quoi? Ou bien tu penses que Vital, elle est seule? J'ai dit, la carrue de quelqu'un commence sur les réseaux sociaux. Si tu veux qu'on te démonte, on va te démonter sur les réseaux sociaux. Regardez-moi cette gabroche. Tu penses qu'une chaîne télévisée, c'est un règlement de compte? Ou bien tu es jaloux des côtes, tu es jalouse des jeux de reins de Vital. Maman, si tu ne peux pas te tenir sur un homme et puis remuer tes jeux de reins, laisse Vital en paix. Tranquillement, tranquille. Une chaîne télévisée, vous avez couru derrière Vital. Vous avez supplié Vital en plein confinement, maman. En pleine crise de coronavirus. Vous voulez aller infecter Vital à votre émission. On dit distance de 1 mètre, est-ce que ça a été respecté? Non. Parce que quand des personnes sont fermées, tu dis, maman, gaz de odeur de bouche. Tu as supporté ça, en plus encore, parole bande de cons. J'ai dit, c'est dans direct pour Lolo Beauté. Maman, André Crocodile, d'après, comment on appelle ça, Aboutou, il dit qu'on voit la fille, qu'elle ouvre ses dents. Maman, les crocodiles se mettent au garde à vous. Crac, il dit, crac, on a une autre cheftaine, maman. Si tu veux qu'on te braise sur les réseaux sociaux, on va te braiser sur les réseaux sociaux. C'est quoi ce bordel-là? Vous invitez des artistes, on dit artistes coupés, décalés. Maman, quand tu dis artiste coupé décalé, la priorité c'est le bruit et puis le déranchement. Tu invites un artiste coupé décalé, tu penses que tu as affaire au gospel. Tu penses que tu as affaire, ouais, Bamba, Annie France, enlevez mon France là-dedans. Et quand je vois les personnes qui disent oui, elle a fait ses études en France ici. Oups, regardez, il y a les personnes qui ont fait leurs études en France ici là. Ils tuent chien ici. Il y a les gens qui ont fait leurs études ici. Si ton étude que tu avais fait en France là, c'était prospère. Quand tu avais eu un bon diplôme là, c'est pas en Afrique que tu allais aller faire ta capacité intellectuelle. Non, non, non.
c'est pas en Afrique, sur une chaîne de troisième dimension, que toi, tu allais aller faire ton boucan là. Tu allais rester ici en France et puis on allait te voir sur les TF. On jette des personnes. Vous pensez que j'ai dit et je répète, tranquillement, tranquille. J'ai dit et je répète, on dit le coupé décalé, tranquille. On n'a pas de musique de gospel. Est-ce que tu comprends un peu? Très cher journal. Bien sûr, on va t'apprendre le qui essaie de couper mon direct. Je t'ai dit, hein? Quand je suis en direct, la personne qui m'appelle et je suis en direct, je te bloque. On dit, artiste de couper décalé. Franck Audi, de toute façon, ma bouche est large là. C'est comme ça qu'on de ta maman est. Voilà pourquoi quand tu regardes ma bouche là, tu fais allusion au nien de ta maman. Mais sauf que le nien de ta maman là, tu ne vois pas les pètes blanches dans ma bouche. Tranquillement, à parole bande de con, réponse en bas de manioc. Ma bouche ressemble au sexe de ta maman. Mais sauf que mes dents sont tellement blanches qu'il n'y a pas les pètes qui se retrouvent dans le sexe de ta maman. Regardez-moi ce rat des banlieues. Tu penses que tu peux venir dire quoi à Lolo Beauté qui a me touché? J'ai dit, je suis la fille la plus braisée sur les réseaux sociaux. Je suis la femme qui assume, maman. Tu as venu dire quoi à une femme qui a 5 enfants de 5 pères différents, d'où des jumelles qui ont chacune leur père. Maman, viens t'asseoir ici. Vous pensez que les braisements inachevés sur Facebook, vous pensez que c'est quoi, maman? J'ai dit une femme qui a fait des jumelles, dont le père, il y a un père qui est chinois et l'autre malgache, maman. Toi, tu vas venir me donner quel injure qui va me toucher? Un bande de cons comme cela. Tu vois les pètes blanches dans ma bouche, les pètes blanches qui se retrouvent dans le nien de ta maman. Tu vois ça dans ma bouche? Reste tranquille, j'en viendrai à vous. Il a fui l'intérêt. Maman, femme qu'on regarde et puis on insulte et puis c'est pas moi. Souvent, je vois et puis je laisse. Je dis ça là, si je mets ma bouche dedans, je vais aller envoyer quelqu'un à se suicider. Maman, une femme qui a fait ses études en Europe, tu n'as même pas pu passer à une chaîne européenne. On te jette au fin fond d'un pays PPTE. Maman, on te donne un petit poste. Vous pensez que quoi? J'ai dit, je suis pour Vital aujourd'hui, je suis pour Vital demain, je suis pour Vital après-demain. Parce que sur nous-mêmes, Ivoiriens, nous ne valorisons, nous ne donnons pas de la valeur aux artistes. Les autres vont se moquer de nous, maman. Même si elles chantent crapaud, les gens l'invitent partout le monde entier pour venir chanter le son de la grenouille. Croix. Elle gagne son pain dedans. Elle se nourrit dedans. Elle nourrit son fils dedans. Vous pensez que quoi? On invite quelqu'un sur un plateau télévisé. C'est devenu maintenant pour la démonter. Je vois, elle pose une question. Maman, qui t'a envoyé? Tu vas nous dire ici. J'ai dit, qui t'a envoyé? Vilaine femme comme Lolo Beauté. On invite quelqu'un, même si c'est ton rôle, maman. Tu ne peux pas te mettre sur une chaîne télévisée et puis dire ta chanson donne envie de te suicider, maman. Jamais. Prends ce concombre parce que tu es coagulé, mademoiselle. Tu prends ça sans vaseline et puis tu fous ça dans ton trou qui est en bas de toi. Je pense que ça va te décoaguler et que tu auras des paroles saines qui sortiront de ta sale gueule. On dit paroles mauvaises, là, c'est nous, Lolo Beauté. Hein? Nous, on n'est pas une chaîne télévisée, mais nous, quand on ouvre notre Facebook, là, on est plus star des stars. Je suis maman, je suis star des stars. Maman, tu as dit, dis quoi ici? Tu ouvres ta sale gueule, je fous mon comme dedans. Maman, sans vaseline. Et tu vas comprendre ce qu'on appelle la douleur de Mougou. Quand on n'a pas assez de jeu de rire, on ferme sa gueule. Tu poses la question à Vital. Que à quel moment, à quelle date, tu as fait ton dernier concert? Prends ta sale gueule et puis va poser cette question au vieux père de la musique, Alpha Blondie. Il va te dire que ce n'est pas le fait de faire des concerts répétitifs qui va dire que ta musique est appréciée. Non. Le vieux père Alpha Blondie n'a pas besoin de concerts. Même s'il fait sortir croix, les gens vont payer. Tu viens t'asseoir, c'est à quel moment tu as... Elle t'a dit de payer ses cachets. Elle t'a dit ça. Elle t'a dit de venir remplir son concert. Toi-même, tu viens à son concert, nous on désaide son concert. On va t'en avoir. Tranquillement, tranquille. Regardez-moi cette connerie là. On va t'en avoir. C'est raté de la chaîne télévisée ivoirienne. On va t'en avoir. Vous voulez qu'on nous respecte dans d'autres pays. Et c'est vous-même qui n'arrivez pas à respecter nos artistes. Une artiste, vous l'avez invitée, maman, pour venir lui poser des questions. C'est pour venir l'humilier. Vital, essuie tes larmes. Pleure de joie parce que les Ivoiriens ont récupéré ton dossier. J'ai dit, maman, ton affaire tombe dans les mains des Ivoiriens. Faut dire, ma vie a gagné. Tranquille. Tu n'as même pas le droit, Vital, de venir pleurer pour cette chienne. Laisse-la avec ce problème. Et quand je vois que un des vieux personnages de la RTI, monsieur Barthélémy Inabo,
soutiennent cette casserole dans ses bêtises. Mais mon vieux, je pense que quand on est vieux là, on acquiert ce qu'on appelle la sagesse. Faut pas venir encourager une jeune fille qui n'a même pas encore débuté sa carrière dans les bêtises. Non, 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 non. C'est quand on est bien assis, comme toi tu étais bien assis là, c'est de cette même manière, laisse la personne. Sinon, elle dira demain que tu es son sorcier. C'est clair. Parce que tu seras son plus grand sorcier, monsieur Barthélémy Inabo. Vous, vous n'avez pas dit que quand on vous respecte un peu, vous ne voulez pas ça. Quand on vous respecte un peu dans le pays là, vous ne voulez pas ça. Vous voulez qu'on vous démontre. Comment tu peux aller mettre un commentaire que oui, ma fille, je te soutiens. Donc, regardez, un vieux comme cela. Tu peux faire. On te respecte. Tu es une icône pour la Côte d'Ivoire. Oui, 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 oui. Papa Barthélémy Inabo. Barthélémy, c'est Barthélémy, non? Barthélémy Inabo, le Inabo. Tu es un père. Il t'a dit, abstenez-vous de commenter. Tu pouvais l'appeler et puis lui dire ces gens de bêtises-là en privé. Que de venir mettre des longs commentaires pour venir dire que tu la soutiens. Mon papa, toi tu as fait ça. Est-ce que toi-même tu as fait ça? Il faut la laisser pas débuter. Mais l'erreur est humaine. J'espère qu'elle ne va plus recommencer. Quand je pense que, comme il s'appelle même le gars là, qui ça? Lui que les Ivoiriens ont chargé son affaire, on dit que lui il mange riz couché là. Le grand chanteur qui a une belle voix là. Comment il s'appelle? Mais Vecchio Lelas. Ouais, Vecchio. Maman, Vecchio Lelas. Vous le braisez sur internet. Quand lui c'est un mangeur de riz couché. Mais qui le nourrit? Tranquillement, tranquille. Quand ce type là aussi, il a une sale bouche. Quand vous l'avez invité à votre plateau là, vous regardez visage avant de parler pour le con. Imaginez que Lolo Beauté, maman, je vais m'asseoir dans les plateaux. Maman, tu me poses parole pour le con. Je te fous ma concombre là où il faut. À la fin, je te botte et puis je passe. Maman, s'il y a des personnes, on dit les noms. Et puis Maka regarde et puis il passe à côté. Tranquille, je vais te faire une délivrance spirituelle en plein plateau. Parce que vous pensez qu'on vous a mis derrière des caméras, vous pensez que vous êtes quelqu'un. C'est caméra, maman. C'est caméra. Va parler tes paroles, bande de cons, avec tu le lasses. Tu verras ce qu'il va te dire. Pourquoi quand Mola est arrivé là-bas, vous n'avez pas parlé les paroles, bande de cons, il t'a remis à sa place. Je pense que Vital est trop bien éduqué. Très bien. Vital, je te le dis en toute sincérité. Tu es trop bien éduqué. Moi, serait été toi. Mais écoutez, je vais lui donner, j'allais lui dire. Tu as fait tes études en France, non? Pourquoi tu n'es pas sorti à TF1? Quand vous avez raté votre vie en Europe, là, vous arrivez pour étouffer la carrière des personnes qui sont en Afrique. Quand un Benguis a raté sa vie en Europe, là, quand il arrive en Afrique, là, tous ceux qui réussissent sont jaloux. Vital n'a jamais dit qu'elle chantait gospel. Est-ce que Vital nous a d'une fois dit qu'elle fait de la musique gospel? De vous à moi, il dit partagez, maman, vous ne partagez pas ce direct, je ne suis pas inspirée. Faut plus parler, faut plus parler. Je ne suis plus inspirée. Attends, maman, il y a pas de dossier. Comme me démange, maman. Elle va plus partager. Comme me démange, j'ai dit, maman, il a cassé ma mère. Tu as cassé la. Je suis trop fâchée maintenant. J'ai cassé, c'est devenu deux maintenant, maman. Partagez. Mais c'est deux là, maman. Il y a des hommes, même quand tu les demandes, montre-moi ton plantain. Maman, ça ne fait même pas le 1/10. Il y a des hommes aussi, hein. Ils viennent sur Facebook venir insulter leur beauté. Mais quand on dans les déshabille, maman. Le caleçon, c'est double XL. Il n'y a rien dans le caleçon, maman. Donc, un garçon vient me bander compte des paroles ici. Mais mon ami, attends que je finisse de faire mon direct. Il n'y a pas assez de paroles. Avant que tu ne viennes mes paroles bander compte. Sinon, je vais te délivrer. Partagez-moi ce direct. Vital, j'ai dit, maman, vous prenez le direct. Tranquille. Les premiers garçons qui sont dit, hey, moi-même, les vieilles voix pour moi, là, mon frère, Bistrou, il a dit, c'est XXL. Tu as Kiki net en bas de toi. Ça vaut même pas mon pouce. Tranquille. Un garçon, quand il a ça en bas de lui, il parle pas. Il met j'aime et puis il passe. C'est propre. Un garçon, quand il parle trop, il y a rien en bas Vérité. De lui. Tranquille. Tu vas venir faire n'engueneng aux gens. Après, tu as venu dire que lui, c'est ton sexe qui est gros, papa. Regarde ton Kiki qui est en bas de toi, maman. C'est pour venir me faire n'engueneng. Quand Dieu t'a créé, il était fâché contre toi ou bien. J'ai dit, papa, quand Dieu t'a créé, il était fâché contre toi. Il savait que tu allais avoir une sale bouche pour venir insulter Lolo Beauté. Voilà pourquoi il t'a donné Kiki net, papa. Il t'a donné Kiki net. Les hommes, on les trompe des autres. Maman, ils se plaignent. Pourquoi tu me trompes? Mais je suis insatisfait dans ta maison. Tu penses que je vais aller où? Avec tes petits rikiki qui sont en bas de toi, en train de venir faire du bruit. Les hommes qui ont les rikiki sont les hommes qui font beaucoup de bruit, papa. Ça, c'est entre parenthèses. On va venir terminer pour la gola, maman. J'ai dit, partagez-moi le direct. Il y a combien de partages, maman? Il n'y a pas assez de partages. Il n'y a pas assez de partages. Arrête, maman.
J'ai des produits à aller terminer. Pause publicitaire. C'est pas assez, c'est bon. Pour avoir les produits de Lolo Beauté. Oui. Pour avoir un teint propre, soigné comme pour Lolo Beauté. Maman, pas les teints en bas de manioc, ni pour les pauvrelettes, maman. Ni pour les hommes. Vous avez vu le teint de Seridier, maman. Mais... vous avez vu le teint, vous avez insulté Seridier. Quand il est vilain, vous avez vu un homme riche qui est vilain. J'ai dit, maman, ceux qui viennent, j'ai parlé un peu, qui viennent insulter Seridier. Quand oui, tu es vilain, tu as pleuré. Quand je regarde même le profil de certains hommes pour aller insulter le père Seridier, que tu es ceci, vous avez vu un homme riche qui est vilain. Jamais. Maman, pause publicitaire, maman. J'ai parlé un peu de Seridier, puis aller réveiller la fille encore, la journaliste, je ne sais pas, bande de con, en bas de manioc là, maman. Pour avoir le teint de Lolo Beauté. Oui. Pour avoir un teint propre, soigné comme pour Lolo Beauté. Mm-hmm. Tu contactes Lolo Beauté, maman, au 00337. Au 69, au 84, au 12 et au 27. Même si tu es en Afrique, tu contactes le numéro de Lolo Beauté, le 0033 et le 00225, le 47, le 46, le 44, le 79. Dites au père Seridier que je suis fâché contre lui. Tu connais mon numéro, tu t'en mets ta photo de profil, ta photo, tu dis oui. À cause des produits de Lolo Beauté, tu es devenu joli, mais ton teint il est propre. Mais mets aussi le numéro de Lolo Beauté. Quand on veut accompagner quelqu'un, on l'accompagne jusqu'à l'enfer. Donc mets le numéro, le père. Maman, vous allez venir insulter un homme comme Seridier. Un homme qui a pu dénicher l'une des belles femmes de l'Afrique, maman. Tu as venu parler de quoi ici? Quand ils sont là, non? Quand oui, Seridier, il est vilain, maman. Tu t'es regardé, papa. Pauvre lot que tu es. En quête de travail, tu t'es regardé. Quand un homme a l'argent, il est beau, maman. Les femmes mettaient assez de cœur. Vous avez une fois vu un homme qui a l'argent et qui est vilain. Tranquille. Un homme qui a l'argent, il est beau. Et puis, il n'y a pas d'homme vilain. Voilà Lolo Beauté. On m'a traité de tous les noms, maman. Regarde comment l'argent m'a lavé. Maman, tu as parlé de quoi ici? À une femme qui était laide il y a quelque temps. Aujourd'hui, au moins, elle ressemble à quelque chose. Tu as venu parler de quoi? Une femme qui est allée à l'école, qui sait lire. Hey. Une femme, maman. Maman, qui a pu s'installer ici en France. Tu as une palette de quoi à qui? Hey, hey. On n'oublie pas la petite connasse. Elle reviendra. Mettez les partages tranquillement. Oui, j'ai pris du poids parce que je mange bien. Et puis tu es à l'aise. Je suis à l'aise. En tout cas, tu es à l'aise. Hein? Hey, hey. Je n'attends pas que quelqu'un vienne me donner 100 000 francs pour manger. Je n'attends pas que quelqu'un vienne me dire « Lolo Beauté, je t'aime » pour sauter, pour dire « Waouh, j'ai gagné ma vie, oh, tranquillement, tranquille, ma chérie, tu es une pute. » Il n'y a pas deux mots à une putoire. Une pute, c'est une pute. Tranquillement, tranquille. Pourquoi le mot pute, là, ça vous fait mal? Tranquillement. Donc, les hommes qui allaient insulter Seridier sur sa page, là, je pense que lavez-vous bien. Et puis, fouillez bien vos poches trouées, là, avant d'aller sur sa page. C'est lui qui vous rate. Sinon, moi, Lolo Beauté, à parole, bande de cons, à réponse, mère con. Tranquillement, et puis on passe à autre chose. Si vous voulez qu'on traîne dans la boue, quand on dit vulgarité, là, voilà ça. C'est Lolo Beauté. Qu'on dit, quelqu'un est mal élevé là. Ne cherche pas loin. Regarde sourcil de Lolo Beauté. Tu as la femme en face de toi. Qu'on dit vulgaire. Maman, la vulgarité c'est quoi? Quelqu'un qui a rasé ses sourcils pour mettre crayon. Tu ne vois pas qu'elle a dépassé même le mot vulgarité. Fouiller encore dans le dictionnaire et puis trouver un mot encore plus dangereux que vulgarité. Sinon, vulgarité est trop faible, maman. Raser ses sourcils et puis mettre crayon, ça c'est vulgaire, ça dépasse, c'est la mort. Ce n'est plus de vulgarité, c'est la mort. Tranquillement, tranquille. T'as une palais, une chef d'entreprise, maman. Tranquillement, tranquille. Revenons à cette femme. À Vital. Je vois que des personnes me disent, non, Lolo Beauté, je pense que la journaliste avait un peu raison parce que Vital ne chante pas bien, maman. Je vous le dis et je vous répète. Est-ce que Vital est une fois venu s'asseoir sur une chaîne télévisée pour dire qu'elle fait du gospel? Vous savez ce qu'on appelle le gospel? Non, vous les pauvres, vous ne savez pas. Parce que vous ne savez que manger le garbe et puis dormir, maman. Quelqu'un qui a mis le coutoucou dessus et puis c'est fini, les dailles. Il n'a pas besoin de bon champagne autour de lui. Maman, tu ne peux pas connaître. Vital dit, je suis chanteuse de coupé décalé. Le coupé décalé ou elle fait du jeu des reins. Tu viens lui poser la question, non, tu es plus chanteuse ou bien... Mais il fallait poser cette question à Arafat. J'ai dit, je touche du bois. Et Arafat est parti. Est-ce qu'elle lit le remplace? J'ai dit, est-ce qu'elle lit invité la machette sur votre plateau? Et puis poser les paroles bande de coin à la machette.
Je pense qu'il va vous découper et puis il n'y aura plus d'émission. Vital, je te félicite. J'ai dit, posez la question, comment on appelle ça, à Claire Bailly, à la vieille mère Claire Bailly. Oh, la belle femme. Posez la question. La porte est fermée. Posez la question à Claire Bailly. Posez-lui la question. Qu'est-ce qu'elle a trouvé dans le coupé décalé? Vous pensez que ces deux excréments qui s'élèvent pour venir chanter le coupé décalé? Pourquoi elle a fui le coupé décalé? Vous pensez que c'est une petite chose? Si Vital tient jusqu'à aujourd'hui là, je pense qu'on doit, on doit lui donner un trophée. Vital même qui est, comment on appelle ça? Claire Bailly même qui est Claire Bailly, la vieille mère du coupé décalé. Elle a dit, je sors du coupé décalé parce qu'il y a trop de sorcellerie. Quelqu'un qui a pris son courage à deux mains pour dire que j'ai venu faire le coupé décalé. Elle sait, elle reconnaît, elle dit que je sais que je n'ai pas une belle voix. Voilà pourquoi je vais faire des cours de chant. Et puis je vais m'améliorer. Quelqu'un qui est humble, qui reconnaît, qui dit que non, je vais avancer. Pourquoi nous le noir? On ne peut pas encourager son frère à devenir quelqu'un. Quand c'est pour plonger le noir ou humilier son ami, moi sa soeur noire, là on est premier. Mais quand c'est pour propulser la personne au sommet, non. Ma chère, si tu n'as pas les jeux de reins, dis à Vital, apprends-moi les jeux de reins, maman. Si ton gars regarde Vital et qu'il bande, ma chérie, contente-toi de te coucher, il va te mouer et puis il va passer. Parce que quand il bande, là, il voit le visage de Vital. Mais lorsqu'il regarde toi ton visage, il bande ton visage et puis il dit, bon, comme à défaut de ne pas avoir Vital, je vais me contenter du reste qui est là. C'est forcé de ne pas aimer quelqu'un. J'ai dit Vital ou rien. Moi, je soutiens mes artistes vivants. On ne va pas attendre qu'ils meurent pour qu'on les soutienne. Soutenons nos artistes vivants. Elle a ses défauts. Tout le monde a ses défauts. Quand on dit défaut là, voilà ça. Quand on dit quelqu'un a plus de défauts que quelqu'un là, voilà ça, voilà ça. Voilà mon lolo beauté. Mais toi-même qui me regardes, tu n'as pas de défauts. Chacun de nous a un défaut et puis on marche avec. Pourquoi vous voulez qu'elle devienne sainte? Elle vous a dit qu'elle s'en va devenir soeur Marie. Elle vous a dit ça. Elle a ses défauts. Elle a ses qualités aussi. Quelqu'un qui est en train de percer dans le coupé décalé, elle a eu des trophées. Tu penses que les trophées, là, elle a eu ça comment? Ma chérie, toi la journaliste, j'ai même pas envie de prononcer ton nom parce que tu me dégoûtes. Si toi tu as écarté tes deux petites jambes là, pourquoi on te mourre pour avoir la place que tu es là? J'ai dit Vital là, elle travaille dur pour arriver là où elle est. Parce que quand tu penses que c'est que toi tu as fait pour mériter ça là, que c'est ce que tout le monde fait là, ah non, hein, ma soeur. Ah non, ma soeur, qui dit chanteuse de coupé décalé, dit animatrice télé-radio. Donc de la manière tu vois Vital, c'est que tu es son exemple. Parce qu'on vous connaît là-bas, tranquillement, tranquille. C'est quoi ça là? C'est quoi ce bordel là? Et puis je vais voir des personnes venir encourager cette médiocrité. Maman, elle t'a dit qu'elle faisait du gospel. Je dis, elle t'a dit qu'elle faisait du gospel. Elle dit, maman, je fais le coupé décalé. Le bruit et le déhanchement. J'essaie d'améliorer un peu ma voix et puis je passe tranquille. Il y a quoi? Tu ne peux pas l'encourager? Tu ne peux pas l'encourager? Pourquoi tu es fissé et puis coincé comme cela? Hein? À quoi? À quelle date? Et puis elle persiste. Tu persistes dans le sale, maman. Si Lolo Beauté a pu changer, tu peux changer aussi. Mais souvent, mes démons reviennent au moment propice. Ma chérie, revois tes paroles. Si tes patrons d'en haut t'ont dit que c'est ton rôle là, ma chérie, emploie des thèmes. Tu as fait l'Europe, non? Vous pensez quand vous avez raté votre vie en Europe là, vous partez en Afrique aller déverser votre haine. Tu penses qu'en Europe on peut s'arrêter sur une chaîne télévisée et puis dire que ta chanson donne envie de se pendre, envie de se tuer. Non. Sa chanson là, voilà ce que tu devais dire. Que Vital, ta chanson là, ça fait bander mon mari. Voilà. Et lorsqu'il bande en réécoutant tes chansons, mm-hmm. moi ça me fait mal. Faut répéter encore. La question que tu devais poser à Vital, ce n'était pas que ta chanson. Qu'on écoute ta chanson, on a envie de se susciter. J'ai dit, vous n'êtes pas intelligent sur les réseaux sociaux. J'ai dit, je suis très intelligente, mon Lolo Beauté. Je sais mener des enquêtes et je sais lire entre les lignes. Je vous dis, abonnez-vous à ma page Lolo Beauté tranquillement, tranquille. Je vais vous montrer ce qu'on appelle la haute marmaille. Le général n'est pas là. J'ai opté pour son onction, la haute marmaille. Quelqu'un qui vient s'asseoir et qui dit, je vais décortiquer sa parole. Vous allez dire, non, Lolo Beauté, tu es intelligente. Je connais femme jalouse. Une femme peut voir sa camarade en train de voler, qui s'est imposée. Elle va vouloir toucher la personne. Donc, en voulant toucher la personne, vous savez, pourquoi je ne tombe pas dans certains pièges? Il y a des personnes, quand tu es déjà star, là, ils essayent de t'attaquer et puis encore propulser encore. Non, Vital, tu as bien fait.
Tu as bien fait. Tu as été très intelligente. Non, au fait, je ne savais pas que tu étais intelligente comme ça, hein. Nous, on te voyait sur le Facebook en train de venir parler. Ouais, ouais, ta petite histoire avec l'autre chanteuse là. Voilà, vous deux, mais écoute, arrête d'attaquer aussi ma chanteuse. L'autre que tu attaques là, je vais te le dire en direct. De la même manière, je vais prendre ta défense là. Sur les réseaux sociaux là, la chanteuse que tu attaques là, c'est ma chanteuse. Faut plus l'attaquer, faut la laisser comme ça. De toute façon, moi, je suis prête à te défendre là. Faut laisser. Il n'y a rien dans ça. Avance. Tu m'as démontré que tu es une femme de grandeur. Ne te laisse pas manipuler par tes émotions. Arrête tes petits clashs à 5 francs là. Tranquillement, tranquille. On dit couper, décaler, mais ça ne veut pas dire clash. Rentre en studio et puis améliore ta voix et puis fais sortir les bonnes choses. Tu nous as démontré que tu as envie de réussir dans le coupé décalé. Et on va te couronner reine du coupé décalé. Si tu prends ton travail au sérieux et non rentrer dans les clashs de à 5 francs. Non. Ne rentre pas dans les clashs. Concentre-toi sur ta musique. Quand on ne lance pas du caillou à un fruit, à un arbre qui ne porte pas de fruit, si elle t'a lancé du caillou, c'est parce que tu portes du fruit. Donc acclame le Seigneur. Parce que toute personne qu'on essaye de rabaisser, c'est que Dieu a une bénédiction pour toi. Tu n'as même pas su lire la ligne là. Dieu va te grandir. Voilà pourquoi il a permis que cette petite poufiasse puisse t'humilier en direct pour qu'on puisse encore écouter ton nom. Je vais te le dire. Il y a beaucoup de personnes qui ne savaient pas qui était Vital. Je suis sur les réseaux sociaux, je connais puis je maîtrise le rouillard de Facebook. Maman, quand on parle de toi de bien ou en mal, c'est une publicité. Regarde. En moins d'une émission, regarde comment ton nom allait loin. Elle a créé du scandale, mais les gens ont entendu parler de toi. Donc souvent, lorsque le diable essaye de t'humilier, il transforme ça en bénédiction. Merci. Moi, le potentiel, c'est ce que ça veut dire. Parce qu'on a plusieurs fois voulu m'humilier, mais j'ai regardé, j'ai dit, hey, vous n'êtes pas plus malin que moi. Mais les flèches que vous m'emmenez là, je suis tellement rouillée sur les réseaux sociaux, et puis j'esquive ça comme c'est la maman. Une femme qui a fait plus de 10 ans sur les réseaux sociaux. Les clashs et palabres de nation. Maman, c'est pas Grenouille qui a venu chanter et puis moi j'ai dansé. Quand je vois ça, je dis d'un côté et puis on avance. Je suis star, maman. Quand je parle, ça arrive au haut niveau. Tranquille. Chez les personnes cadres et non les filles en bas de manioc. Maman, tranquillement, tranquille. Vital, voilà la révélation que j'ai pour toi ce soir. Commencez à partager ce direct. Partagez ce direct dans les groupes WhatsApp. Partagez sur Facebook parce que Lolo Beauté, la prophétesse Anne, va commencer à rentrer dans une révélation prophétique et te dire que ta destinée prophétique est en train de se mettre en place. Dieu a décrété un petit démon qui s'appelle une animatrice de bas niveau qui a essayé de t'humilier, mais Dieu a transformé l'humiliation en plus de bénédiction, en plus d'élévation, en plus de succès. Lorsqu'une journaliste vient et qu'elle dit que ta musique donne envie de se suicider. Non, elle t'a pas donné la vraie version. Parce que moi, je suis rentrée dans la brousse sacrée. Je suis rentrée voir les anges. Descendue causer avec le diable. Et j'ai une seule révélation, ma soeur. Tu sais pourquoi la femme, elle a dit, bon, cette jeune fille ou bien bonbon, je m'en fous. Elle a dit que ta musique donne envie de se suicider. Parce que je vais te dire, lorsque tu es sur un plateau en train de danser, en train de te déhancher, les hommes imaginent qu'est-ce que tu peux faire au lit. Le taka-taka. Tu sais mon symbole, le bim. Fais sortir une chanson, je te donne l'exclusivité. Fais sortir une chanson où on appelle le bim, bam, bam, bim, 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 bim. Tu as les jeux de rein. Souvent, sers-toi des petits concepts de Facebook et puis fais sortir un concept. Pourquoi elle a envie de se suicider? Nous, on n'a pas envie de se suicider, ma chérie. Ah oui, l'animatrice en bas des maniocs. C'est toi seule qui as envie de te suicider. Oui, oui, oui. Parce que lorsque tu es un gars ou bien ton gars, regarde comment on appelle ça. Un Vital en train de danser. Je crois que la baguette magique commence à monter. Il dit, ah, mais cette fille-là, elle a des jeux de rêve. Oh, Seigneur, quand un homme, il doit en même temps. Il dit, mais quand Vidal, elle tourne. Vous savez. Non, Vidal, tiens. Tu sais, Vivi, je t'aime bien. Parce que tu as un petit coup de rein. C'est-à-dire, il y a un jouet dansé, coup de rein. Et puis elle a bloqué, puis elle a fait coup de rein. Aïe! Tu sais, il y a des femmes qui disent, tue-moi, maman. C'est pas parce que c'est une animatrice télé qu'on va penser qu'elle vaut quelque chose. Elle vaut rien. Et tue-moi, maman. Donc, quand toi, tu fais tes jeux de rein et que tu fais des roucasses, quand tu fais bim, aïe, 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 aïe,
son mari ou bien son gars, imagine. Son gars. Comment il peut être avec toi dans un lit? Hey. Et puis tu es sur lui en train de danser la chanson de bibim, 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 bibim. C'est pas toutes les femmes qui ont les jeux de rein. Donc voilà pourquoi elle a dit ça donne envie de se suicider. Ah. Parce que ton, le plus grand fantasme de son gars, c'est toi. Tu n'as pas le lit sur lit. C'est la jalousie des femmes ne se cache pas. Sinon, pose-toi la question. C'est pourquoi vrai. Elle était sur toi, André Mounian? Pose-toi la question. Parce que je te le dis à 100%, il y a son chéri qui dit, attends, tu ne peux pas tourner tes reins à compte pour Vital. Elle avait ce gourmet en cœur. Donc, elle voulait te casser en plein direct. Mais le cassement s'est transformé en élévation. Tranquillement, tranquille. Apprenons à soutenir nos artistes. Et moi, je te soutiens. Parce que tu as les bons jeux de reins. Des bim, bam, bim, 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 bim. Il dit, fais sortir une chanson de ce genre. On appelle ça la chanson des femmes qui ont reçu les vies grâce à la sueur de leur front et non à la sueur de leur cul. Le bim, 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 c'est la chanson des femmes qui ont reçu leur vie grâce à la sueur de leur front et non à la sueur de leurs fesses, maman. Fais sortir ce concept, maman. On va te propulser. Tranquille. Tu penses que tu parles à qui? À hey. Vital? Hey. Maman? Elle va jamais fuir le coupé décalé si c'est ce que tu veux. Pourquoi? Elle restera et puis Fafa fait sortir le nouveau concept. Maman, tu le bim, 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 bim. Tu as les jets des reins. Fais en sorte que bim. Ça soit propulsé bim. À la hauteur. Bim. Le tu bim, bim. Comment on appelle ça, mais Lady Ponce. Uh-huh. Tu penses que Lady Ponce, c'est les jets des reins aussi? C'est toute cette chorégraphie musicale qui uh-huh. va avec aïe. Le rotopo. Aïe, 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 aïe. Le bi. Tu connais pas ta valeur. Hey. Lorsque tu ne connais pas ta valeur, les chats et les souris voudront venir danser avec toi. Mais lorsque tu connaîtras ta valeur, comme Lolo Beauté, la star Facebook, tu sauras que ne te colle pas à des personnes qui ne peuvent pas se coller à toi, maman. Tranquillement, tranquille. Ta chanson, tu la fais parce que tu aimes la chanson. Maman, ils ont tué mon collègue Yorobo. Yeah, Yorobo. Yeah, you, Yorobo. Tu m'as laissé partir. Mon vieux petit poème. Ça me fait aussi prêter. Eh, Yorobo. Yorobo. J'ai un DJ à côté de moi, maman. Tu as venu parler à une blogueuse qui a un perroquet, qui sait chanter, qui sait parler. Maman, tu penses que tu parles à qui? Tu penses voyage. Que tu parles à qui? Moi, je prends ton affaire, je voyage avec ton esprit, puis je viens te faire déposer. Mais tranquillement, tranquille, l'homme a changé. Et je préfère ce changement-là. Mais à travers ce changement, je ne veux pas voir l'injustice et puis laisser. Vital a toujours dit faire du coupé décalé et non le gospel. Quand tu vas écouter le gospel, c'est ceux qui ont un déploiement de gorge, qui ont une voix audible, qui ont une voix qui captive. Elle t'a pas dit qu'elle fait du gospel. Elle t'a dit, je fais le coupé décalé. Donc, qu'est-ce que tu lui veux? Mais toi-même qui es assise là, va te comparer aux artistes, comme on appelle ça des TF1. Va te comparer aux grands journalistes. Ma soeur, tu viens de commencer quelque chose. Les personnes qui te donnent des conseils, qui disent que ouais, nous on est... Faut pas écouter, parce que tu vas très vite descendre de ton scandale, de ton piédestal. Et après, quand votre starmania ne marche plus, vous cherchez maintenant des buzz pour vous répulpulpulpulser. Tranquillement, tranquille, ma chérie. On donne un an. Et puis, si tu ne changes pas, tu verras les retombées. Tranquillement, tranquille. Tu sais, qui aime bien châtie bien. Je n'ai rien contre toi. Je t'aime bien parce que une femme qui a un travail, moi, je la respecte. Mais il faut respecter ton travail. Donc, tu m'excuses si je t'ai bien insulté, mais de manière caressante. Parce que moi, j'insulte, ma chérie. Tu regardes en bas de toi pour vérifier si c'est testicule ou si c'est tombe en bas de toi. Parce que j'ai laissé tout tomber, ma chérie. Tu as compris? Tu es manqué de respect à, comme on appelle ça, une artiste. Nous, on va venir tomber sur toi comme des maniants. Et tu verras que quand les maniants, ils passent sur un corps, c'est les squelettes qui, même les os, on mange ça. Tranquille. Hey. Nous, on est pire que les vampires. On est les mangnants. Quand on passe sur un être humain, maman, on mange jusqu'en les os. On n'en parle plus. Tranquillement, tranquille. Hey. Donc, vas-y doucement. Faut aller doucement, hein. Faut aller doucement. Faut être le coup. Petite.
Faut aller doucement. Petite. Vos conneries que vous faites là. Petite. On n'a qu'à voir encore. Vous allez voir. Petite, faut très court. Va doucement. Vital, en train de se forger. Pour comment pour être une star. C'est la Beyoncé de Côte d'Ivoire. Maman, c'est la Beyoncé de Côte d'Ivoire. Donc nous, on l'aime de l'Afrique. Ça. De l'Afrique même. Voilà. C'est notre artiste. Si nous-mêmes, les Ivoiriens, on peut pas la valoriser. C'est pas un autre peuple qui a venu la valoriser. Hey. Maman, elle t'a jamais dit, et je le répète, qu'elle chante du gospel. Elle t'a dit qu'elle fait de la musique coupée-décalée. Maman, coupée-décalée là, il y a qui peut la dépasser? Actuellement. Actuellement là, qui dépasse Vital? Maman, on dit coupée-décalée. Donc arrête de venir te gonfler sur un plateau pour dire, ma petite, pour dire que oui, ton dernier concert date de quand, ma chérie? Tu vas payer son cachet. Petite. Pourquoi le pauvre met ma grosse bouche comme ça, comme Lolo Beauté? Petite. Pourquoi les pauvres lettres, maman, avec un salaire de combien? Et puis tu es gonflé comme ça sur un plateau télévisé, mais c'est une faute très court. Petite. Si tu ne peux pas respecter les artistes là, nous on va t'amener sur le chemin du respect. Petite. Tranquillement. Même si elle chante comme une grenouille, on s'en fout de ça. Nous là, on l'aime comme ça. C'est ce qu'on doit dire aux jaloux. Notre artiste n'est pas bon là. Tu penses que quand tu t'abaisses pour regarder dans le cul de quelqu'un, ton cul est aussi au théor. Ah, tranquillement, tranquille. Ah, donc faites attention. Hein. Vous qui pensez que vous êtes trop gonflé là. Quand tu t'abaisses pour regarder dans l'anus de ta camarade, moins dans le poil de ta camarade, il faut te dire que ton cul là, c'est ouvert comme ça. Puis bien lâche. Ah, on va prendre une concombre pour la boucher. Tu vas fermer un peu ta bouche. Nya. Tranquillement, tranquille. Regarde comment cette bêtise humaine. Pause publicitaire. Pause publicitaire. Pour avoir les produits de Lolo Beauté. Oui. Pour avoir un thé, maman. Le thé de ça. Aïe. Pour avoir un thé. Yeah. Maman, le thé propre comme pour Lolo Beauté. Maman, dis que je suis vulgaire. Hein? J'ai fait 5 enfants sans artifice, à part le tchatcholi. Mais ma maman, je suis belle comme ça, comme je me trouve. Pour avoir le thé de Lolo Beauté, le tranquillement. Ça. On est en mode vulgarité. Yes. Tranquille. Mais quand moi, j'ai fini mes vulgarités là, maman, c'est 10 000 euros qui rentrent dans mon compte. Oh yes. Voilà. Je ne me joue pas. Je ne fais pas genre. Je suis vulgaire et puis mon compte en banque s'est rempli. Yes. Tranquillement, tranquillement. Regardez les bouchons. Remue-moi ça. Remue. Yeah. Maman, je suis fan de mon teint. Yes. C'est une femme comme ça quand elle passe, quand elle dit, ouh, maman, j'ai fait 5 enfants. Intérieur. Quand tu vois comme ça, on dit, ya, yeah, maman, tu n'as plus besoin de rien. Propre. Tu as tout, maman. Tranquillement, tranquille. Tu as tout. Le teint, il est propre, maman. Tranquillement, tranquille. Donc, pour avoir les produits de Lolo Beauté, oui, tu contactes ton Lolo Beauté au 00337 au 69. Au, faut pas dire à quelqu'un. Mm-hmm. C'est quand j'ai été dit là, ne dis pas à quelqu'un. Mm-hmm. Je ne sais pas pourquoi Série dit aussi, quand je te dis que tu as une large bouche là, apprends à fermer ta bouche. Tu allais mettre sur ta page pour dire que c'est moi, je m'occupe de toi. Tout le monde va savoir que c'est le cas de Lolo Beauté. Est-ce que moi, je t'ai envoyé? Je dis, comment je m'occupe des stars là, ils se cachent, mais toi tu es devenu blogueur. Il est là, hein? Tu es là, hein? Le père! Je me suis occupé de toi en cachette là. Tu es venu mettre sur Facebook. Ah, mon thé, tu es devenu jolie grâce à Lolo Beauté. Ya, yeah, papa, mais tu es un beau gosse. Yee. On dit, un homme qui est riche n'est pas vilain. Tu es beau, mon papa. Propre. Tu es beau et tu as fait de jolis enfants. En tout cas. Et tu manges les bons fruits. Faut laisser les gens qui broutent les herbes là, brouter les herbes. Ne te mélange pas avec la casserole. Yeah. Ils n'ont qu'à brouter les herbes. Pourquoi tu manges des délices, des fruits, Coucou. Des bons fruits? Tu as venu répondre à des personnes qui mangent du broutage de l'herbe. Qui est-ce que c'est de l'herbe? C'est le même leven. Regarde comment tu es propre, regarde comment tu es frais. Baba, il y a des hommes qui ont vu des lacs. Moi, quand j'ai vu ta peau aujourd'hui, je me dis, yeah, le gars là, est-ce que moi-même, il ne peut pas prendre la place un peu des choses? Je plaisante tranquillement. Et tu es trop beau, papa. Reste comme cela. Et puis suis ton level. Laisse les jaloux parler. Moi, je suis Lolo Beauté. Quand ça va pas, je dis la vérité. Mais quand ça va aussi, j'applaudis et puis j'avance. C'est quelqu'un, c'est quelqu'un qui sait reconnaître ses erreurs. Et puis avancer tranquillement. Quand on dit quelqu'un qu'on insulte sur la toile, c'est lui. Pourquoi quand lui aussi vient vous dire certaines petites vérités que lui pense que c'est une vérité, ça vous fait mal? Ah. Laissez-le aussi parler. Il est libre de parler, mais papa, faut plus nous traiter d'hypocrites. Parce que tu es le père aussi, hein, de... voilà, tu es le père. Donc, tranquillement, tranquille, c'était Lolo Beauté. Toujours avec les bains, tranquille. Faut pas avoir bout de mes seins ici, hein, même si c'est qu'il y a trop donné de tétés. En tout cas, maman, ces nichons ont donné tétés à 5 enfants, maman.
J'ai dit 5 enfants qui ont fait... Et des jumelles de pères différents. Et des jumelles, papa. Un chinois de père de lait. Vous voyez un chinois, vous voyez les chinois là. Quand ils attrapent ses papa, André va en racheter ses. Donc la jumelle qui a son papa chinois là, est ti à gauche. L'autre jumelle qui a le père malgache est ti à droite. Donc imaginez le tirage de sa maman. Mais malgré ce tirage là, maman, je suis encore point pile poil. Tranquillement, tranquille. Voilà. Donc, je vous aime. Je vous adore. Un dernier mot pour Vital. Voilà, un dernier mot pour Vital. Tu es une grande dame. Propre. Tu es une grande artiste. Parce que tu es celle-là qui sait reconnaître que je ne chante pas du gospel, mais j'apprends à faire sortir une bonne mélodie. Quelqu'un qui aime reconnaître ses erreurs, c'est quelqu'un qui va arriver loin. Mais quelqu'un qui a venu discuter pour dire oui, vous pensez comment il ne sait pas chanter, c'est une nullarde. Tu as su démontrer que tu as été à la hauteur. Tu as été sage. Tu as été représentatrice des Ivoiriennes qui veulent évoluer dans la vie. Et je t'en félicite. Tu as mon bravo. Tu es une grande dame. Je pense qu'on doit donner assez de cœur pour Vital. On doit donner assez de cœur. Parce que moi, je n'aurais pas eu cette patience-là. Non, non, non. Il y a du coup de tête à aller sortir là. Maman, tu vas prendre convocation, ça va pas aller quelque part. C'est moi qui te dis ça. Tu me parles, bande de cons. Je vais te ratatouiller. Quand tu as fait 2 mois à la maison, maman, quand tu vas sortir, tu as dit yes. Je suis tombé sur crocodile. Y a mes dents. Sauter mes dents, mes ongles, mon cuir, tout ça. En plein direct, tu cherches buzz. Je vais vous en donner des buzz. Tranquillement, tranquille. Vital, big up à toi. Vivi. Tu es une grande dame. On a voulu te rabaisser, mais regarde sur la toile. Hey, c'est que ton image. Tu es une belle femme. Tu es un beau popoté. Tu as une belle forme. Tu nous as promis que tu vas aller encore aller apprendre des cours de chant. C'est la grandeur. Reste comme ça dans la grandeur. Vital ou rien. Point. À la ligne, tiré. À demain pour un autre direct. Il y en a qu'à voir bande de cons qui a venu sortir sa petite queue pour dire il a dit mes démons sont revenus. Donc tu chercheras, maman, tu vois ça. Je vais boucher tes deux cuits, ton anus et ton trou ensemble en même temps. Tu vas respirer par ta bouche. Tranquillement, tranquille. Vous pensez que vous parlez à qui? Mia, maman. Lolo ici, Lolo Beauté. Lolo, prononcez le nom de Lolo Beauté. Prononcez même vous-même votre nom. Tranquillement, tranquille. Mimi, faut faire un peu le perroquet. Hey, yoro. Les gens apprécient. Écoutez en exclusivité le perroquet qui est devenu DJ à Galaga. You yoro. Lolo, il m'a attaqué. Je suis bien inspiré. C'est bon. Prochainement, entraîne-toi. Ouh là 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 là. Que des artistes. Oh oui, des artistes en herbe. Oui, les artistes en herbe. Franchement, c'est pas facile. Ah oui, c'est pas facile. Même la plus grande chanteuse fait des erreurs. Oui. Tranquille. Oui. Tu peux être meilleure chanteuse, mais quand tu arrives à un concert, tu tapes poteau. Parce que ta voix même déconne, elle le stress, tout ça. Donc on comprend, voilà, l'artiste, le perroquet, voilà, qui a failli détruire nos tympans. Oui, mais on s'est très vite ressaisi. On va t'inviter à l'émission. Oui, je pense qu'en chantant pour cette fille-là, sa mémoire va revenir et puis elle va s'adoucir. Petite. Tranquillement, tranquillement, petite. 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 C'est la vieille mère Lolo Beauté qui te parle. Si tu veux arriver loin, sers-toi de tes erreurs. Corrige-les et puis avance. Moi, aujourd'hui, si je n'avais pas corrigé mes erreurs, je serais derrière. Tu vois que je ne suis pas trop sur Facebook, c'est parce que mes produits marchent trop. Je n'ai pas le temps. En tout cas, bénédiction. Je n'ai pas le temps. Parce que je suis reconnaître mes erreurs. Je me suis tenu une ligne de conduite. Mais souvent, vous savez, les démons ne sont pas trop loin. Donc, quand quelqu'un, vous les démons, en même temps, ils reviennent. Donc, sautez. Attention, les démons sont partis. Je suis devenue là. La sœur Anne, alors que Dieu vous bénisse. La cite à la guérir. Et que Dieu nous apporte la santé. À parole, bande de cons. Réponse de mère con. Tranquillement, tranquille. Vital, big up à toi. Tu es une belle femme. Yes. Tu es un bon moral.
Un morceau tu es la reine du coupé. Mets la leçon de Vital même. Mm-hmm. Il y a quel son de tu as quel son de Vital? Bon, demain. J'ai tous les sons de demain, Vital. Demain. Lolo, c'est qui ça là? Il faut venir plus souvent sur Facebook. Hé, maman, l'argent est trop doux, maman. Laisse-moi. Il y a des clientes qui ont commencé à m'appeler. Ils sont sur mon Facebook. Hé, maman, on veut produire. Tranquillisez-vous. Quand je finis, c'est m'envoie en WhatsApp 0034 0033 7 69 84 12 27. Tranquillement. Voilà, on veut voir le perroquet. Hé, maman, tu n'as jamais la voix. Tranquille, ici c'est Lolo Beauté ou rien. Patrick de Nuance, big up à toi. Que Dieu te bénisse. Tranquille. C'est un son de Vital. Regarde, il y a la chanson. Oh non, elle est trop forte. On n'a qu'à laisser les gens en bas de manioc. Lolo Beauté jusqu'à la gare. Ciao.